Ah bonjour YouTube, Wesh, YouTube. on se retrouve sur... vas-y, viens mid là, on va tous les péter. On va tous les péter. C'est un blitzkrieg. On va perdre de l'XP. Mais non, on s'en fout, on les pète tous. Ok, personne n'est mort. Je vais mourir parce que personne n'est mort. Merde, j'avais la main décalée sur le clavier. Mais casse-toi, Pifitio, là. C'est pitoyable ce qui se passe là. Bon, donc on est voilà sur le clash des gitans sur Heroes of the Storm et donc on a tous ça fait 5 hammers contre 5 hammers sur la map les tours du destin là, c'est ton destin patati patata et je viens de dire patati patata et voilà. Moi je suis mid, moi je suis un peu short de l'extrême. Boum, boum, boum. Je me casse. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Boum, 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 boum. Oula, oula, je me barre. Yes, ah, je suis... Oh, porte, t'as roté, je t'ai entendu. T'as vu que je t'ai entendu roter? Si. J'ai pas roté. Mito. Vas-y, je suis siégé. Ah, si t'approches, on leur fait la nique. Oula, 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 oula. Vas-y, tu es baise. Mais pourquoi tu fuis? Mais je fuis pas, ah non, je me suis fait c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai rien dit. Tu refais la nique là. Tu vois, voilà, tu vois, on fait des kills, ça se passe bien. Ouais, mais j'ai le seum parce que l'autre, je lui ai cliqué dessus sur le deuxième et mon truc il a pas tiré, je sais pas pourquoi. Dommage. Bah, ils t'ont fait sortir, je les voyais plus. Ah, ouais, non, en fait, pas besoin de j'arrive. Et oui, on a toujours les boosts, on est les boosters. Oh putain, il est trop nul son booster au char en mode siège comme ça. Bon, vas-y, on laisse tomber. Bon, on a eu celui d'en bas, c'est cool, c'est chouette. On a eu celui d'en haut. On le dégomme là. Ok, je me barre. Yes, il a utilisé son sort, ça m'a sauvé. Le con. Le con. Le con. Là, we're living in America. Toda sister America. 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 J'arrive. Ça, c'est du travail d'équipe. Il y a deux petits malins qui ont pris le heal de vie. Le heal de vie? Ouais, t'as dit. Ils sont cons sur les auto-attaques. Dans notre team ou dans la leur? Dans chacune des teams. Non, mais moi je me casse. Je suis low. Regarde, j'ai pas beaucoup de vie moi. Ouais, ouais. Bon, sans... il est défoncé. Non, mais là c'est bon, c'est pas grave. Viens. Vas-y, bot. Non, bot. Ah! Putain, mais t'es chiant! Mais t'es con! Enfin, vous avez quand même essayé de pick le fight alors que. Oh, okay. Alors que quoi? Alors que vous les voyez tous arriver vu qu'on a vu sur mon écran. Mais alors? On les a défoncés? On bouge ton boule! Qu'est-ce que c'est beau. Bon allez, on va calmer le big boss du 9-3 là. Pourquoi il y a un mec qui s'appelle je sais pas quoi du 9-3? Non, il s'appelle juste Big Boss. D'accord. Voilà, Big Boss a été calmé. Par contre, je veux bien que tu sièges. Quand j'appuie sur siège, ça veut dire siège, connard. Thibaut, rapproche-toi là. C'est trop loin. Mais par contre, t'approches pas autant. T'inquiète pas. Tout était prévu. Disons, on lui fait la nique à lui. C'était un bait. Putain, mais il est con là, Beagle. Oh putain, par contre, j'avais pas vu. Il y en a deux qui ont pas pris les bons. Vas-y, là. Par contre, les lignes de tank, qu'est-ce que c'était drôle? Ouais, ouais, c'est des barres. Ça porte rire, frère. Oh, qui c'est qui est mort?
Oh putain, c'est chaud là. Hop là, je vais avoir réussi à faire passer les trois mercs. GG, on en envoie trois de plus. Par contre, j'essaie à défendre. Faut défendre le top. Alors, évidemment, personne ne va venir top. Bah, je vais passer les trois autres mercbots. Bon, on s'en fout, ils vont y aller tout seuls. Putain, je suis encore trompé dans mon décichage. Et hop là, ils sont passés. GG. Ils seraient pas passés sans moi. En fait, c'est une team avantagée parce que là on est la team de la guerre. Du coup, forcément, on est meilleur pour la blitzkrieg. Puis surtout, on est l'Amérique. Toda Zuser America. Comme dans Call of Duty, les Américains ils ont un avantage. C'était à Clément que t'avais fait croire ça. Ouais. Oh putain. C'est ça? Oui, je t'ai dit. Pff, comment on l'a dégommé lui? C'est marrant. Je le dégomme lui. Si, ça a pété là. Ça va, il y a quelques mines. Ils sont stylés le skin des mines de ce truc là. On dégomme, on dégomme, on dégomme. Pourquoi vous fuyez comme ça, comme des lâches? On a notre truc à défendre là. C'est ça qui est con, mon gars. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hop, hop. Attends, on les dégomme au napalm, parce qu'ils ont pas pris le napalm, les mongols. Fais gaffe, t'as pas besoin. Tu sais que t'as une plus grande portée avec le napalm que... Ok, je suis mort. Non. T'es mort, grosse merde. Grosse de bouse. Je suis back. Je suis en train de zigzaguer et tout pour esquiver, mais non. Tu sais, c'est de l'autoclicka. Ouais, je sais. C'est bon, on a le mid. Non mais même, d'abord, j'ai esquivé le napalm. Putain, voilà, ça, c'est une bonne vidéo. Y'a pas grand monde qui a pris le napalm. Ah ouais, ouais. La plupart, c'est tous des merdes. Oh, y'a une petite pute, là. Bon, je vais en top avec vous, je m'en vais prendre le bot. Je m'en vais à l'hôtel. Trunch de bar, frash flushlash. Putain, la chatte. Lichlash. Voilà, là, si tu le prends. J'arrive, il a pris le top là. Vas-y, cap. Emparez-vous des hôtels et débarrassez-vous. Oh la pute. Vas-y, cap. Captain America! Je peux pas. Voilà, maintenant je peux. C'est bon, je crois qu'ils sont déjà assez nombreux à caper. Putain, toutes les mines! Plus que 8. Ça va. On les défonce. Oula, là, ils vont se faire défoncer nos couteaux. Yes, ils l'ont eu. Boum! La petite attaque qui l'a suivi. Oups. Et la petite porte là. Putain, il a pris la mobilité. Moi, je vais bien m'avancer, comme ça, je vais bien prendre ma portée.
C'est à force de taper ou à force d'être Non, c'est toutes les 3 secondes, tu gagnes 20% de portée, jusqu'à un bonus de 100%. Très bien. C'est hyper fort, j'arrive pas. Mais il était trop avancé là en fait. Si non mais je me suis fait pousser. Trop avancé, moi. Ouais non mais même à la base t'étais trop avancé. Sans mais gros, je pensais pas que ça augmentait de autant en fait. Ça augmente jusqu'à 100%. Donc Mais ça va, ça a fait 3 kills pour un mort plutôt rentable. 4. Ouais, voilà. Bon, je pense qu'on va gagner. Je suis pas sûr. Oh, ne jamais prendre la boulours avant de l'avoir tué. Hein. C'était marrant YouTube. Sinon ça va te faire comme dans The Revenant. Enfin je vois pas trop comment on peut perdre à 4. Enfin il leur reste 4 trucs, il y a 3 trucs à choper. On cap un hôtel. C'est ça que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, j'ai un peu de mal. Désolé mon plus. Non on va perdre. Non. Non. Allez, j'ai chopé la dernière tour de top juste avant. Trop fort. Trop fort. Bon, voilà, super vidéo YouTube, vidéo voilà. Incroyable. Qui va incroyablement, on vous avait fait revivre la Seconde Guerre mondiale en Espagne. En Espagne. Bah oui, les Espagnols, ils s'étaient pris un gros blitzkrieg dans la gueule, je crois. C'est les Belges. Mais non, Guernica. C'est les Belges qui se sont pris le blitzkrieg. Mais je crois que l'Espagne aussi. Guernica. Guernica, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. 1937. Ça, c'est le tableau. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est bien avant... Ah. C'est bien avant... parce que 1937, mais c'est ce qu'a peint Picasso. Il y a un village... Alors, attends. Blitz. En réponse à une commande... C'est un truc du gouvernement, ça, le mongol. 1937. Espagne. Ils sont pris un blitzkrieg en Espagne. Allemagne, de... Espagne, le blitzkrieg pour une corrida. Quoi? Allez, bim. Ah non, mais ça, c'est du foot, ça. On a un super portrait. Et la blitzkrieg, Thibaut, c'est le fait que... Ce qui s'appelle la blitzkrieg... Oui, c'est le fait d'exploser des gens rapidement, je sais. Non, ce qui... c'est pas ça. Ce qui s'est appelé la blitzkrieg, c'est que les Allemands ont déclaré la guerre et tout de suite, ils ont envahi plein de trucs. Donc, c'est quand ils sont passés à travers... La Belgique qui sont arrivés tout de suite en France. Ouais, non mais moi côté mais... Pologne, mais pas l'Espagne. Dans mes souvenirs, l'Espagne s'était pris un blitzkrieg aussi. Je me souviens mal. Super fort, super bien tes souvenirs. Et je crois que, alors ça par contre, il y a toujours la vidéo là. Ouais, mais je crois que après on va arrêter. Je crois que les Espagnols, ils étaient en guerre civile à ce moment-là et que du coup, qu'ils n'étaient pas en guerre mondiale. Bah alors c'est pendant la première guerre qu'ils se sont fait exploser la gueule. Bah non, puisque la première guerre, on a utilisé les Allemands à Verdun. Bah oui. Donc voilà. C'est... Bref. C'est quand... Ah oui, non, c'est leur guerre... Ah oui, voilà. C'est leur guerre civile qui a fait qu'ils se sont fait exploser la gueule, et je crois qu'ils s'étaient pris un bombardement, une connerie du genre. Ouais, ça peut être. Ils se sont pris de blitzkrieg. Un bon gros bombardement blitzkriegien. Je vais mettre ça, c'est cool. Bon, et bah, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir.